Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Depuis que je suis née, je suis en contact direct avec des extraterrestres. Mais ces contacts se sont intensifiés à partir du début de l'année 2016. Ils sont devenus frontaux avec différents équipages qui sont à bord de vaisseaux-mères et qui évoluent en haute orbite terrestre. Ces contacts sont par écrit que j'enregistre et par audio quand vous parlez avec des amis au téléphone. Différentes races extraterrestres sont composées d'hommes et de femmes de manière différente. Certaines ont des sociétés équilibrées, 50% d'hommes et 50% de femmes, et les deux ont autant de pouvoir, comme chez les Andromédiens, les Antariens, les Syriens ou certaines sociétés pléiadiennes. Il y a aussi des sociétés patriarcales, équilibrées, où les hommes sont en position dominante, en laissant toutefois aux femmes des rôles et des positions fortes, comme chez les humites. Et certaines de ces sociétés sont des sociétés matriarcales. Les femmes dominent les hommes en nombre et en pouvoir. Leurs sociétés peuvent être des sociétés holographiques et holistiques, mais également des monarchies gérées par des reines et uniquement des femmes, comme chez les pléiadiennes tégétanes et chez certaines sociétés reptiliennes comme chez les draconiennes. Mais dans toutes les sociétés, il y a des androgynes, des hermaphrodites, et il existe des races sans sexe et donc sans genre, au sein desquelles il n'y a aucune distinction entre hommes et femmes. Sur Terre, force est de constater une grande incapacité de la gente masculine à intégrer des femmes à leur niveau de pouvoir, de salaire ou d'expertise. Et du point de vue des femmes elles-mêmes, elles ont, de manière générale, et dans de très nombreux pays, de grandes difficultés à être indépendantes et autonomes. Elles sont souvent dépendantes des hommes, pour ne pas dire dominées par le pouvoir des hommes, qui gèrent le politique et l'économique, l'éducationnel, la justice et les religions, et en général tous les aspects des sociétés terrestres. De ce fait, de nombreuses femmes, dans ce contexte qui n'est pas favorable à leur autonomie, préfèrent s'occuper des enfants dans une famille où l'homme les prendra en charge. Elles renoncent aussi par tradition, par domination ou par facilité à leur propre évolution personnelle, leur propre espace de vie, leur propre lieu de résidence, leurs propres activités. Elles renoncent à leur propre corps. Elles renoncent à montrer leur propre visage ou leurs cheveux. Elles renoncent même à leur propre système de pensée où elles doivent recourir à l'autorisation d'un père, d'un frère, d'un mari ou d'un prêtre pour pouvoir simplement être. La grande majorité des femmes, c'est-à-dire quelques 50% de la population terrestre, environ 4 milliards de femmes, tendent de ce fait à oblitérer des problématiques qui concernent leur avenir personnel et collectif. Le manque d'intérêt ou la résignation rendent impossible la participation de ces femmes à la résolution des défis cruciaux et impérieux de l'humanité. N'est-il pas surprenant de constater de telles incohérences dans un monde qui devient de plus en plus interconnecté entre des personnes qui exigent ce qu'elles appellent la vérité?
Je suis Tim de Space News. Nous allons dérouler ensemble ce mois-ci la thématique des femmes qui a été choisie à la suite d'une série de questions que m'a posée une jeune femme indienne que je remercie et qui m'a posé les questions suivantes. Quelle est la solution permanente et que faut-il changer pour parvenir à une égalité totale, hommes-femmes? Comment d'autres cultures non terrestres y sont-elles parvenues? Que doivent faire les hommes pour respecter les femmes? Doivent-ils être plus évolués spirituellement ou s'agit-il de l'intellect ou de leur perception qui a besoin de changer? Quelle est la différence chez les femmes dans les cultures interstellaires que vous avez rencontrées? Quelles qualités en elles se démarquent des nôtres ou en quoi sont-elles différentes de nous? Que pouvons-nous apprendre de ces femmes? La thématique des femmes sera déroulée en 6 vidéos et 3 directs pendant le mois de novembre. Le volet 1, qui est cette présentation, est disponible gratuitement pour le grand public. Elle présente un mini who's who des femmes galactiques avec leur identité, leurs origines et ce qu'elles font dans les vaisseaux spatiaux en orbite autour de la Terre pour déjà donner quelques exemples de base de qui elles sont. Le volet 2, qui est également disponible gratuitement pour le grand public, présentera la place et le pouvoir des femmes dans différentes sociétés extraterrestres. Le volet 3 soulignera l'actualité de notre planète et l'émergence massive des terriennes au sein des différentes nations et leur sphère d'influence. Le volet 4, où le premier documentaire didactique du mois présentera l'identité et les origines de deux amirales pléiadiennes dans l'espace, au sein de hauts conseils extraterrestres ou dans leur propre société. Le volet 5, où la seconde partie du documentaire didactique présentera une vidéo que j'avais publiée sur Ishtar et qui a été demandée par de nombreux internautes, mais que je remettrai à jour avec davantage de détails et d'informations. Et le volet 6, le dossier spécial, qui est toujours consacré à Zen, mon principal contact extraterrestre, qui expliquera sa vie dans une société matriarcale où ce sont les femmes qui contrôlent la majorité des domaines de la société. EPCL de Lyra est une lyrienne de la constellation de la Lyre, système solaire Alpha Lyrae, planète Avion ou Avalon. Elle appartient au Grand Conseil Félin de l'Union Lyrienne des Planètes. Sa population est composée d'hommes et de femmes à la fois d'origine humanoïde qui ressemblent aux terriens, puisque selon mes contacts, ce sont nos ascendants dans une très ancienne civilisation équilibrée entre hommes et femmes. Ce sont en général les hommes qui élèvent les enfants. Une autre partie de la population lyrienne est d'origine féline. Ce sont les Urmas, dont le bipôle représentatif au Haut Conseil Andromédien est le mâle Rour d'Avion et la contrepartie féminine Bastatet, connue sous le nom de Sekhmet sur Terre, que vous connaissez très bien puisqu'elle faisait partie du panthéon égyptien. Les Urmas ont eu une très grosse influence en Égypte et ils sont également en relation avec Ishtar, dont je parlerai dans le second épisode du documentaire didactique, la vidéo numéro 5 du mois de novembre. Pour en revenir aux Lyriens, ils sont d'origine humanoïde, avec un long corps ectomorphe et longiligne.
LPCL a un visage très allongé et des yeux extra larges, en particulier l'iris qui est sombre et qui domine presque tout l'œil et qui recouvre le blanc. Les yeux des lyriens sont de couleur noire ou vert foncé et jamais bleu. Sa peau est très sensible et devient rougeâtre au contact de l'air. Ses cheveux sont fins et ne poussent pas bien. Son apparence est douce, bienveillante et compatissante. Elle ne tuerait pas une mouche, mais elle n'hésiterait pas à le faire si nécessaire. Comme c'est une très vieille race, on a l'impression qu'elle porte tout le poids de l'univers sur ses épaules. Les lyriens sont à la fin de leur évolution et ils prennent le temps de vivre. Ils ne veulent plus explorer l'espace et ils disent « Pourquoi le faire si cela nous amène à être loin de chez nous ?» Tania est une pléiadienne, Angane, de la main des Pléiades, système solaire Electra, planète Angan, race Angan. C'est une civilisation très active et interstellaire, de type patriarcal, composée de conseils de niveau, de la communauté locale au conseil de la planète, de type humanoïde, nordique, viking. Ils ont une très forte énergie masculine, mais qui est équilibrée entre les hommes et les femmes. Ils ont eu une grande influence sur Terre, en Europe et en Scandinavie. Ce sont des explorateurs spatiaux compulsifs et de féroces guerriers. Tania est une commandante pléiadienne qui s'occupe de toute l'organisation de l'immense biosphère Viera, la station spatiale andromédienne qui est cachée derrière la Lune. Elle le fait en collaboration avec deux mâles andromédiens, Morané, qui s'occupe de l'aspect communication avec la Terre et qui était en contact avec Alex Collier, et Ferseus, qui lui s'occupe davantage de l'aspect militaire. Morané était l'un de mes contacts également, et si j'emploie le passé, c'est qu'il est décédé il y a 2 ans. Shahaz et Izar, deux femmes sassanies de la constellation du Triangle, Shahaz est à gauche et Izar, une hybride, est à droite. Elles aident toutes les deux au sein des grands conseils extraterrestres en relation avec ceux de la Terre. Leur système solaire est Tlemeia, qu'ils appellent aussi Esassani. Il y a 4 planètes, Césaret A, Sassani B, Gantara et Salimia. Les Sassanis sont interstellaires depuis environ 1,5 million d'années. Du point de vue de leur évolution, ils commencent leur maturité adulte à l'âge de 3 ans et la terminent vers 9 ou 10 ans. C'est une race anthropomorphe, c'est-à-dire qu'ils conservent l'apparence d'un enfant terrien d'environ 10 ans toute leur vie. Ils gardent également une mentalité très jeune et aiment beaucoup s'amuser. Ils adorent les jeux et les blagues. Ils rient beaucoup et sont toujours actifs. Pour ce qui concerne les Humites de Wolf 424 dans la constellation de la Vierge, planète Humo, dans le couple Humite, la plus grande autorité est aux mains de l'homme et celle-ci n'est jamais discutée. La femme se soumet entièrement à son époux. Si elle ne peut convaincre son époux, elle va se fier à sa raison. Dans les équipages actuellement autour de la Terre, il en est de même, comme ce fut le cas de 2 femmes humites qui atterrirent à Lajavi, en France, au-dessus de Digne, le 28 mars 1950, à 4h16 et 3 secondes, avec un corps expéditionnaire de 26 membres d'équipage. Les 2 femmes étaient des scientifiques, Inoo 33, fille d'Inoo 29, qui avait à l'époque 18 ans, elle en a maintenant 72, elle était physicienne, experte en physique de la structure de la matière. Et Uori 19,
fille d'Oba, 7 ou 17, on ne sait pas très bien lequel c'est, qui avait 32 ans et qui était gastro-entérologue, spécialiste en pathologie de l'appareil digestif. Vous voyez donc que toutes ces femmes de différentes lignées extraterrestres ont toutes des postes et des responsabilités assez élevées sur les différents vaisseaux spatiaux qui évoluent en haute orbite autour de la Terre. Nous pouvons imaginer que l'avenir des femmes sur Terre sera également orienté vers l'espace dans tout type de métier, de position et de statut, et de pouvoir développer des domaines qui leur sont encore peu ouverts de nos jours. Avant de clore cette présentation, je vous invite à assister aux trois directs qui auront lieu les 13, 20 et 27 novembre à 17h sur YouTube. Ils durent tous une heure. Le premier sera accessible à tout le monde et ceux des 20 et 27 novembre seront réservés aux sponsors de Space News. Je vous retrouve très bientôt pour le deuxième volet de cette série qui sera consacrée à la place des femmes dans plusieurs sociétés extraterrestres avec lesquelles j'ai eu des contacts directs. En attendant, portez-vous bien, méditez et soyez heureux. Je suis Tim, l'un des porte-drapeaux d'une communauté planétaire. Je vous remercie et je vous salue respectueusement de cœur à cœur.